Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous... Excusez-moi, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris, vous êtes nombreux à m'avoir demandé ouais ce serait cool que tu nous montres un peu le merchandising qu'il y a pour la saison de la Reine des Neiges et de Star Wars. On se retrouve du coup là pour le merchandising de Star Wars. Allez venez, suivez-moi, on va voir ce qu'il y a de plutôt sympathique. J'avoue, il y a des produits sympas parce que même moi j'ai craqué pour des choses. J'avoue. Du coup, on est dans la boutique principale, hein, vous savez, à Studio 1. Voilà, c'est des produits qu'on peut souvent voir sur le parc. D'ailleurs, je pensais, si vous voulez que je fasse une journée un jour avec un casque de Stormtrooper, bah abonnez-vous et mettez la cloche parce que c'est pas impossible que je le fasse un jour. Ça peut être très marrant, je pense. Surtout moi en Stormtrooper, vous imaginez un peu le délire, ça va être une catastrophe. Alors, du coup. Là on est d'accord, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est des trucs qu'on a de base hein, pour le moment. Ou peut-être Dark Vador, ça peut être marrant, hein. Une journée en Dark... Non, Stormtrooper, ça va être plus drôle. Stormtrooper. Ah, c'est cette collection-là que j'ai grave adoré. Alors en fait, pourquoi j'ai adoré? Parce que j'aime bien le design. J'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup la couleur, enfin voilà. Et je la trouve, je sais pas, je trouve ça plutôt sympa et original pour un café en fait, parce que c'est assez plat, c'est assez petit. Elle a 10,99€ et du coup dans ce design là, ils ont également fait... Alors on a ça, c'est un peu plus grand, mais c'est un peu dans le même genre de délire. Tac, ça par contre, faut vraiment avoir une sacrée soif. Hein. Parce que je t'avoue que là, et ça c'est par contre, c'est à 14,99€. Hop. On a également un petit jeu de... Alors ça je pense que c'est en référence... Oh non, ça doit être... c'est sorti. Ça doit pas forcément être sorti, c'est pas nouveau je pense, mais je l'ai jamais vu donc je vous le montre quand même. Et voilà, et là on a aussi du coup dans cette collection là, le bol, que j'aime beaucoup moi, qui n'aime même pas Star Wars, franchement je le trouve vraiment super sympa. On a un peu tout plein de personnages autour, évidemment avec leur casque. Et il est à 12,99€. Un petit t-shirt. Plutôt sobre en vrai celui-là, plutôt sympa. Il est pas trop flashy je trouve. On a juste incrusté Dark Vador. Il est à 25,99€, plutôt sympa. Moi j'aime bien. Je le mettrai pas. Celle-là je la trouvais grave cool. Elle était déjà sortie à l'époque. Bon, il est ressorti là du coup. Je la trouve super sympa. C'est pas du tout évidemment mon délire avec toutes les petites paillettes dorées, mais je la trouve vraiment super jolie au niveau de la forme, etc. Pas trop grande pour un café, c'est parfait. Voilà. Elle est à 12,99€. Si vous voulez vous bourrer la gueule avec Star Wars, évidemment, buvez avec modération, c'est important. Un petit shot, ça sert à ça, on est d'accord. Ah non, c'est pour des verrines. Bah en même temps, sérieux con, tu crois qu'ils vont marquer shot à vodka? Bon, on va pas se cacher, hein, c'est plutôt des shots. Hein. Bon, plutôt sympa en vrai. Alors franchement, ils sont plutôt sympas, 3,99€, pour une petite collection. Quoi? Ça j'ai trouvé ça, alors pour ceux qui regardent pas Star Wars, moi j'avoue j'avais pas trop compris la référence, mais je savais pas qu'ils étaient amoureux les deux. Sérieux? Donc je savais pas, désolé, tu vas pas me juger s'il te plaît. Ah, si, je te juge. Donc c'est Leia avec Han Solo. Du coup I love you. Bah je savais pas qu'il y avait vraiment une romance dans Star Wars en vrai. Je connaissais juste Skywalker avec Padmé là, c'est tout. Mais bon elle, c'est... moi j'aime pas, mais si vous aimez en plus avec le manche en caoutchouc là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, regardez. Ah non, ça se met pas. C'est pas con. Parce que quand tu le mets dans une four à micro-ondes, tu vois, genre. Ah, tu te brûles. C'est pas chaud. C'est l'idéal pour faire des mug cakes. Et ils ont fait du coup dans cette même collection. Ah, ils ont vraiment fait une romance entre les deux là. Hein. Non, mais j'ai bien compris qu'il y en avait vraiment. Tu connais pas la phrase occulte? I love you, I know. Ah ouais? C'est ce qu'il y a écrit là-dessus, en plus il. Avant que tu fasses. I love you, I know. Eh, je savais pas du tout. Ah, c'est quand il se fait cryogéniser. Ah, ok. Oui, juste avant. Oh là là. Vous voyez, ils sont vraiment sympas. Non, franchement, ils sont plutôt sympas. Donc, c'est-à-dire que si tu veux, la meuf elle met ça, l'autre met ça, enfin bref. T'as compris la délire. Ah. Hop là. Je suis un vrai Jedi, tu savais pas. T'imagines, tu es un vrai coup. Mais carrément. Non, en vrai, je suis pas de la. Je suis le côté obscur, moi. Je suis le côté obscur de la force. Viens. Non, pas du tout. Là, il est jaune comme le soleil, là, c'est pas obscur de tout. C'est REC, un sabre laser jaune. Bah, allez, du coup, je vous montre le reste. Bon.
Après, bon là on a des trucs là ici. Bah, y a rien de transcendant en vrai. Hein. Ah, si, il est bien celui-là, il est sympa. Il est grave su, il est grave sympa celui-là. Petit t-shirt nouveau que j'avais pas vu, rebelle. Plutôt sympatoche. Voilà. Bon, il est. Ça aussi, j'aime bien. Je mettrais bien ça chez moi, ou pas, parce que j'aime pas Star Wars. Mais je trouve ça plutôt joli. C'est à 24,99€. En vrai, pour ceux qui aiment bien Star Wars, je pense que ça peut être très sympa. Ah, par contre, il y a cette veste là. Cette veste là, par contre, est grave stylée. Regardez, regardez, regardez. Je vais vous faire un outfit. Eh, hey. Franchement, elle est pas trop classe celle-là en vrai. Regarde, Pierre. Elle est pas trop belle celle-là. Ça va. Elle est cool, hein. Elle est grave cool, j'aime bien. Franchement, elle me va bien en plus, hein. Par contre, bon, elle est un peu chère si je dis pas de bêtises. Je crois qu'elle est à. Tac, 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 tac. Elle est au prix de 79,99€. Et ouais, c'est pas donné quand même. Elle est pas donnée, elle est pas donnée, j'avoue. Ah oui, c'est ça. Je reprends mon manteau tout de même. Et est-ce qu'il y a autre chose ou pas dans cette boutique? Ah oui, bah nouveau, bah il y a écrit nouveau. Alors on a. Ah ouais, ah c'est cheap hein. Ah c'est. Ah ouais non, c'est cheap hein. Ça j'aime pas du tout, du tout, du tout. J'aime pas. Ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Ça j'aime bien, mais c'est pour les enfants. Je trouve ça plutôt sympa, j'aime bien. Mais c'est pour les enfants. Voilà, je vois pas pour les adultes. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout pour le moment. Bon bah on va aller voir dans les autres boutiques. Je sais qu'ils ont fait des grosses figurines à Harrington spécialement pour la saison en édition limitée. Donc on va voir ce que ça donne. Bah en fait il y a des trucs sympas aussi ici mis en avant. Là vous avez des porte-clés Rise of the Resistance Skywalker, excusez-moi, c'est pour les derniers derniers films. Vous avez des pins Legend of the Force. Voilà. Et je crois que derrière. Petit suite sympa Kylo Ren pour les enfants. Il y a beaucoup de choses pour les enfants par contre. Hein. Pour les enfants, plutôt sympa. Et ce jersey, on l'avait déjà montré, vous vous rappelez, il y a un petit moment déjà. Star Wars, Rise of the Skywalker. Voilà, on l'avait déjà montré, il est plutôt joli. On va quand même aller faire aussi un petit tour à Star Tour, voir s'il y a des petites nouveautés quand même. Parce que là-bas, on est sûr qu'il y a du Star Wars, c'est sûr. Ah, c'est bon. C'est bon. On est à Star Tour, enfin Star Trader. On va aller voir ce qu'il y a, comme je vous avais dit tout à l'heure, dans la boutique à Disney Studio. On va voir ce qu'il y a ici. Est-ce qu'il y a des petites exclusivités? Celui-là, je les avais vus, mais je ne vous les ai pas montrés. Ils sont plutôt sympas, je trouve. Sympa, ça fait Star Wars, mais en même temps assez assez sympa. Celui-là aussi, Chewbacca, ça va être de résistance. D'accord. Très joli, ce sac, en vrai. Pour les fans de Star Wars. Celui-là aussi, je trouve super joli. Un Stormtrooper. Voilà. Ça, je trouve ça pas ouf. Pof pof pof, ça on a vu, ça on n'a pas vu, c'est quoi? C'est des pyjamas, c'est quoi ça? Ouais, ça fait pyjama, ouais, c'est un pyjama. Oh, c'est mignon, ouais, ça fait genre des dessins d'enfants. Un pyjama super sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on n'a pas vu? Ok, donc parfait, on n'aura pas besoin d'aller à Harrington parce qu'il y avait cette figurine que j'avais vue à Harrington, c'est en édition limitée avec un certificat d'authenticité, je sais pas où est-ce qu'il est, mais il doit être quelque part. Donc c'est BB-8 avec DDO. Et on est bien d'accord qu'il sert à strictement à rien dans le film. Ah, rien du tout. Juste, il sert juste à être marchandisé plus tard en fait, ce qui est mignon. On a aussi une figurine avec C3PO et R2D2. Android. On a tout ça, c'est super joli en vrai pour mettre comme ça sous verre, c'est enfin sous plastique, c'est plutôt sympa je trouve. C'est des maquettes hein. Oui, ça c'est des maquettes évidemment, mais je trouve ça. Mais déjà, c'est sympa. Et j'ai laissé mon sabre laser ici, je me suis dit ça peut être sympa, 259€ si ça intéresse des gens. Bon par contre, bah, je moi, pense ça que c'est. Ah ouais, il te tâte celui-là. Allons dans le cœur du sujet. Ah, on n'y était pas là. Le truc de la boutique. Hein? Je trouve le meilleur truc de la boutique. Quoi?
Alors déjà, il y a ça. Ah ouais, Jedi Master. Regardez, pour toute la famille. Donc t'as le Jedi Master, t'as le jeune Padawan. Est-ce que t'as les autres? Il y en a un autre. C'est qui? C'est le Young Padawan. Jedi Master. Et il y a aussi pour un Jedi Master. C'est le Young Padawan. Ok. Bon, marrant, c'est pour si jamais tu veux faire un assortiment avec tes enfants. J'adore, je trouve ça mignon, c'est marrant. Ça fait très américain et très japonais de mettre les mêmes t-shirts. Chez nous, on le fait un peu moins, c'est vrai. Ah, attends, 7 de table. Il est trop beau. J'avoue, 7 de table. Il est où? Avec, donc là, on a Dark Vador. Là, on a Luke Skywalker. Là, on a Padmé. N'importe quoi. Oh là là. Je rigole, évidemment, je rigole. Je rigole, je crois que c'est Anakin, ça. Et elle, c'est Leia. Qu'est-ce que t'as dit, Anakin, là? Anakin, il est là. C'est Luke, ça. Ah non, c'est Luke, c'est Luke. Anakin, c'est... il est là. Anakin, il est là. Désolé, me tapez pas. Je vous jure, me tapez pas. Ah, et on a la même chose avec la... Je vais le tuer. T'as l'idée de mettre tes mains à ce moment-là. 15 euros. On a des autres bols, regarde. Avec plein de vaisseaux. Donc, on a le Faucon Millennium, le Air Wings. Je sais pas c'est lequel, le Air Wings. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle le Air Wings. Et là on est avec Star Wars. Et là c'est les vaisseaux ennemis. Vaisseaux ennemis en approche, ils disent en Star Tour. Et voilà. Donc je sais plus comment ils s'appellent comment ça? Les vaisseaux ennemis. Wow, on avait un beau jouet du Faucon Millennium en vrai. En vrai c'est pas mal. Hey. Pyjama BB-8. Hey, je suis sûr que les gens qui adorent Star Wars. Oh et celui-ci est trop mignon en vrai. Trop mignon. Oh, et... oh c'est trop chaud. J'avoue, ils sont mignons. Non, ils sont tous mignons en vrai. J'ai vraiment envie de devenir un Stormtrooper pendant une vidéo, hein, vraiment. Ça peut être très marrant. Donc vraiment, votez dans les commentaires. Ça peut être très drôle, une journée en Stormtrooper. Bah, je crois qu'on a fait le tour en vrai. Facile, hein. On va trouver quelque chose. Non. Ah non, c'est pas ouf. Si, bon, et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura découvert pas mal de petits produits sur, évidemment, la saison de Star Wars. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, c'est pour ça que je me suis permis de faire ce genre de vidéo. Si vous en voulez de temps en temps, que ce soit par exemple pour les produits Marvel, les produits, je sais pas, de princesse ou autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, vous m'ajoutez évidemment en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche en bas, hein, vous le savez, vous connaissez la chanson. Je vous fais des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous? T'as entendu un petit claquement parce qu'il y avait quelqu'un derrière Fab. On est des professionnels ici.